Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble donc les LR gratuits. Alors, on sait que depuis un moment, on a des LR gratuits qui sortent du lot. Donc depuis Vegito Blue LR, ils sont assez incroyables. Avant, on était plutôt limité. Et maintenant, ils prennent carrément la place de titulaire à des persos payants dans les teams. Donc on va aller voir ensemble, est-ce qu'ils valent des LR payants ou pas? Est-ce que Free to Play, c'est équivalent à perso pas terrible? On sait que non, mais on va voir ensemble pourquoi. Donc n'hésitez pas si vous voulez une partie 2 sur les unités gratuites, mais hors LR, parce que si je fais tout dans la même vidéo, ça va prendre une heure et plus, à me le dire et surtout à mettre des pouces bleus. Hein. On va dire à 150 pouces bleus, je ferai une seconde vidéo regroupant les unités gratuites hors LR, donc avec une petite analyse, etc. Donc ici, j'ai pas vraiment fait de classement, mais vous allez voir que je vais prendre plus de temps à détailler les persos sur la première partie que sur la deuxième, tout simplement parce que c'est le plus intéressant en fait. Ceux que je vais présenter en premier, ça va être les plus intéressants. Il n'y a pas forcément d'ordre entre les 1, 2, 3, 4, 5, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va baisser en intensité. Donc pour commencer, le Vegeta LR, donc le Vegeta. Alors, pour la petite histoire, en fait, les LR au début du jeu, ils nous donnaient seulement des boosts en points fixes. Depuis Vegito Blue LR de tête, on va avoir des boosts en pourcentage. Donc ça reste pour certains LR. Donc il y a le Vegito Blue LR, le couleur Metal Couleur, donc dessin guerrier de métal LR, et le Goku demi-jour. Donc tu as un boost en pourcentage. C'est assez terrible sur des persos comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir les mettre à 100% plutôt facilement. C'est ça l'avantage des LR gratuits. C'est des unités qui ont des très grosses stats. Par exemple, ici, on va avoir au potentiel max du 19 000. 10 en attaque, du 19 642, pardon, du 19 010 en PV, du 19 642 en attaque et du 14 693 en défense. Pourquoi ils ont des très bons stats? Déjà, premièrement, parce qu'ils vont jusqu'au level 150, et deuxièmement, parce qu'ils ont un arbre de rang A en étant gratuit. Parce que d'habitude, les unités gratuites ont un arbre de rang B. Ici, on va avoir un arbre de rang A vu que c'est DLR, et on va pouvoir le débloquer assez facilement vu que c'est une unité farmable. On va pouvoir dropper les doublons et le monter donc avec les armes. Alors, donc depuis l'arrivée de DBLR, on va avoir des boosts en pourcentage. Donc vous voyez les stats, ça, des boosts en pourcentage avec ces stats là, c'est juste n'importe quoi. Donc il limite un maximum ça. On va avoir plutôt des boosts en point fixe, mais depuis peu de temps, il rajoute aussi des boosts d'attaque en pourcentage sur l'aspect ultime, ce qui est très bon. Donc vous allez voir que ce Vegeta, par exemple, sur sa aspect ultime, il va avoir 1 712 000 de valeur d'attaque, alors que sur sa spé normale, il va avoir 884 000. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va avoir un boost de 50% quand il part en spé ultime. Très bonne fiche de Sifero, je vous mettrai le lien du tout dans la description, n'hésitez pas à checker, il fait des très bonnes fiches. Une très bonne fiche qui résume assez bien la chose. Au niveau d'attaque normale, parce qu'il va lancer jusqu'à 2 attaques supplémentaires, on va avoir du 369 000. Donc potentiellement, en un tour, on va faire du 2,5 millions de dégâts en comptant les deux attaques et l'attaque spell ultime, ce qui est vraiment incroyable. Du 84 000 en défense, ce qui est vraiment excellent aussi. Donc voilà, première spé dégâts gigantesque, deuxième dégâts titanesque et augmentation de l'attaque de 50%. Au niveau du passif, on a une attaque plus 15 000 et défense plus 20 000. Au niveau du deuxième passif, on va avoir attaque plus 15 000 supplémentaires après avoir été attaqué, donc après avoir reçu un coup, et lance deux attaques supplémentaires pendant 4 tours. Donc ça se reset à chaque fois qu'on se prend un coup, ça veut dire que le timer reprend à partir du moment où on se prend un coup. Au niveau des liens, on va pas avoir de liens parce qu'il est déjà excellent en fait. C'est ça en fait qui va être la difficulté de ce Vegetaïde, c'est de partir en speed team forcément parce qu'il tape très très fort en speed team et il va pas avoir beaucoup de liens pour réactiver les jeux. Guerrier doré, super saiyan, génie, fierté saiyan, mini royal, brisé limite, pouvoir légendaire. Au niveau de la catégorie, on va avoir seulement saiyan de sang pur. Il a un leader d'ailleurs, saiyan de sang pur alternatif, qui donne 70% d'attaque, défense et PV, et qui plus 3. Donc vraiment un excellent perso. Il a très bonne défense, grosse force de frappe, très bon leader. On va maintenant passer au Vegeto Blue LR qui a cassé la méta DLR gratuit, tout simplement parce qu'il était juste incroyable. De tête, il est sorti avant le Goku demi-jour. Vous me rappellerez si c'est pas le cas, mais je crois que si, on a tellement attendu, on n'a pas été déçu. Donc déjà, le leader nous a agréablement surpris. Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 70% pour la classe super. Je crois que c'était le premier leader qui donnait des stats en pourcentage et le qui plus 3. Donc un leader assez intéressant pour un LR gratuit, tout simplement. On va avoir sur la première spé augmente l'attaque et la défense de 20% déjà. Donc vu ses liens au potentiel max, je peux vous dire que ça va monter très vite. Et au niveau de l'attaque spé ultime, on va avoir du augmente fortement attaque donc de 50% et inflige des dégâts titanesque à l'ennemi. Sachant que lorsque vous avez un boost d'attaque pendant l'attaque spé, il démultiplie beaucoup plus la puissance.
parce qu'elle prend en compte toutes les valeurs ajoutées qui sont par exemple les supports à côté, etc. Donc sachez toujours que un boost d'attaque pendant l'attaque spé et un boost d'attaque au début du tour, ça n'a rien à voir. Un boost d'attaque pendant l'aspect restera toujours largement au-dessus. Donc on va avoir aussi, plus les PV sont bas, plus le ki augmente, donc jusqu'à 80%, ce qui est jusqu'à plus 10 de ki, pardon. Donc on va pouvoir faire en spé ultime assez facilement. Attaque et défense plus 80%, donc qui est juste très fort. Voilà, c'est un LR gratuit comme je le disais. Donc on va avoir des stats de malade, des 20% d'attaque et de défense, c'est juste n'importe quoi. La double utilité au-dessus du perso, donc on va pouvoir taper très fort en allant en spé ultime ou augmenter ses stats au fur et à mesure en allant en spé simple. Et ces liens aussi qui sont juste incroyables pour un LR gratuit, donc il vaut largement un LR payant pour moi. Super Saiyan, Saiyan divin, soldat divin pardon, le pouvoir d'un dieu, part au combat, guerrier fusionné, brise la limite et pouvoir légendaire. Aucun lien n'est à jeter, tous les liens sont très bons au niveau des catégories, on va en avoir pas mal aussi, donc au nombre de 4, Potala, Divin, Saga du Futur, et au-delà d'espace-temps, unité vraiment incroyable et que vous devez avoir dans vos box, tout simplement. On va passer donc au Trunks du Futur, LR Agile, donc, qui est aussi excellent, il va avoir un leader 70% pour la catégorie Futur, ce qui est très bon pour un LR payant. LR gratuit, je m'emmène les pinceaux, donc dégâts gigantesques sur la première spé comme tout le monde. Dégâts titanesques sur la deuxième et augmente fortement l'attaque, donc de 50%. Voilà pourquoi j'ai mis ces deux là à la suite, parce qu'on va avoir un boost en pourcentage. Vous voyez que les derniers LR sortis ont un boost en pourcentage sur l'aspect ultime, ce qui est assez incroyable. En plus du fait que, bien sûr, l'aspect ultime tape plus fort. Ah oui, à savoir aussi que les LR vont taper très fort, parce qu'ils montent jusqu'à spé 20. Donc le multiplicateur n'a rien à voir avec les autres et les dégâts titanesques sont au-dessus des dégâts colossaux. Donc au niveau du passif, on va avoir un attaque plus 25 000 au début du tour, qui plus 8 attaque et défense plus 20 000 s'il y a deux ennemis ou plus. Au niveau des liens super saiyan, lignée royale, jugement sera un messager du futur, futur reste désespéré, briser la limite, pouvoir légendaire. On va avoir aucun lien qui ressort vraiment du lot, super saiyan qui est assez répandu mais qui casse pas trois pattes à un canard. Au niveau des liens, ça va être un peu plus compliqué. Catégorie, on a saiyan 200 mêlée, saga du futur et au-delà de l'espace-temps, donc une très très bonne unité avoir dans sa box aussi. On va passer au Goku des mi-jour. Alors, je me suis rendu compte après la vidéo que j'ai oublié de parler du couleur qui est juste incroyable. Donc on va faire un petit aparté dessus. Donc qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour le type extrême. C'est un peu l'équivalent de VBLR pour. Enfin c'est complètement l'équivalent de VBLR pour le type extrême. On va avoir des dégâts gigantesques et diminuer fortement la défense sur la première spé. Sur la deuxième, dégâts titanesques, attaque plus 30% pour les alliés de type extrême. Et sur le passif, on va voir plus les PV sont hauts, plus l'attaque et la défense augmentent, donc jusqu'à 90% d'attaque et de défense. Ça c'est juste incroyable pour un LR payant comme je disais tout à l'heure. Enfin un LR gratuit comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, il ressemble tellement à des LR payants que j'arrête pas de me tromper. Vu les stats qu'ils ont, voilà, au potentiel max il va avoir jusqu'à 17 000 d'attaque et 11 000 de défense. Bon c'est vrai qu'11 000 de défense c'est pas terrible, mais il va avoir un boost de 90% qui va venir largement compenser ça et 17 000 d'attaque. Et il va lancer en plus de ça jusqu'à 2 attaques supplémentaires, donc 50% de chance, qui auront chacun 10% de chance d'être une attaque spé. Donc 5% de chance de lancer une attaque spé à chaque fois. Ce qui est assez cool au niveau des liens, on va avoir des très bons liens. Auto-régénération, VTC plus 100, cauchemar, le plus puissant buff, peur et désespoir, pouvoir légendaire. Catégorie très bonne aussi, on va avoir ressuscité boss de film, le plus créé des peuples et combinaison. Une unité vraiment incroyable ce couleur. Et moi je le mets presque au même niveau que VBLR, hein. Si ce n'est le même niveau. Il tape vraiment très fort et sur un tour pour un LR gratuit, je crois qu'il peut aller jusqu'à 2 millions, 5 voire 3 millions de dégâts. Avec des critiques, c'est vraiment incroyable. Alors lui, il a un leader de malade, type plus 3 PV attaque et défense, plus 100% pour tous les teams, voilà, comme ça c'est dit. Sur sa spé, attaque plus 20% pour les alliés, donc faut même mettre en première position pour qu'il booste tous les alliés derrière. Sur sa deuxième spé, donc ultime, attaque et défense plus 25% pour tous les alliés derrière. Voilà, juste incroyable. Au niveau du boost, attaque plus 77% et en plus de ça, attaque et défense plus 7% pour chaque sphère de ki récupéré. Je peux vous dire qu'il monte très très haut en spé. Et en plus, il récupère 7777 PV à chaque sphère de ki obtenu, donc quelle que soit la couleur. Et il heal vraiment, c'est un healer de fou. Vous pouvez facilement récupérer 50 000 HP en un tour, voire jusqu'à 100 000. Ça m'est déjà arrivé. Donc, on a guerrier Z, famille de Sangoku, guerrier vétéran, paré au combat, la puissance suprême, l'origine des scènes, pouvoir légendaire. Donc, paré au combat et guerrier vétéran qui sont vraiment d'excellents liens qu'on peut noter. Catégorie saga debout et saiyan 200 pur. Donc là aussi une très très bonne unité qu'on obtient en se connectant mi-jour, donc pas de suite mais cumulé. On va passer donc au Grid Saiyaman LR qui lui est un support. Donc au niveau du leader on va avoir un boost de 100%
Si vous, on a tous les types super présents dans la team, mais aucun boost de ki. Au niveau des dégâts, on va avoir première spé, dégâts gigantesques et bloc la spé. Au deuxième, on va avoir dégâts titanesques et 30% de boost pour les alliés de classe super d'air pendant 2 tours. Ça, c'est assez incroyable. Donc, il va boost aussi le tour d'après. Passif ki plus 4, défense plus 50% pour les alliés de classe super. Donc, un excellent support dans les meilleurs du jeu. Défense plus ou moins 70% pour tous les alliés extrêmes, pourquoi pas. Donc, au niveau des nains, on va rien avoir de foufou. Des liens de justicier, voilà, la puissance suprême, brise la limite qui est à noter peut-être. Au niveau de la catégorie, on va voir Sagatbou et combinaison, donc des très bonnes unités qu'on a en invoquant sur le portail. Le nouveau Yamcha qui est sorti depuis peu sur la version Jap, qui a 100% de boost pour la catégorie combinaison, donc toutes les cartes qui comprennent deux personnages dedans. Ce qui est un leader plutôt pas mal, qui est assez cool. Au niveau de la première soirée, on va avoir dégâts gigantesques, deuxième titanesque qui diminue fortement la défense sur les deux. Au niveau du passif, on va avoir attaque et défense plus 20 000 lors d'une attaque spéciale et attaque et défense plus 10 000 lors d'une attaque ultime. Donc on va avoir 30 000 en défense et en attaque lors d'une attaque ultime, sachant que c'est super cool. Le petit truc troll qui fait qu'il est étourdi lorsqu'il se bat contre un perso de la catégorie fit pleine de vie. Donc au niveau des catégories combinaison, chargeur de Dragon Ball. Au niveau des liens, on va rien avoir de fou aussi. On va avoir des liens de Dragon Ball. Donc carte plutôt sympa. Au niveau du Son Gohan petit, donc qu'on obtient en faisant les Battle Road, bah celui-ci, il va avoir un augment fortement l'attaque sur sa spé ultime. Au niveau de sa spé normal, on va avoir une chance sur 5 de étourdir l'adversaire. On va avoir un défense plus 10 000 au début du tour, qui plus 5 attaque et défense moins 10 000. Attaque plus 25 000 et défense moins 10 000, si PV à 50%. Donc voilà, on a Innocent, c'est surtout pour son leader. Voilà, catégorie Sign 200 mêlée, c'est surtout pour son leader. Hein. Le reste... il n'est pas foufou, à savoir qu'il y a le Goku qui est, celui-ci on l'obtient en faisant les Battle Road normal, le Goku en faisant les Battle Road de catégorie, qui est juste ici, donc lui il a un boost de 100% comme le Goku des mi-jours, mais on va avoir une chance sur 5 d'étourdir l'adversaire sur la première spé, sur la deuxième on va avoir un boost de 30% pour tous les alliés derrière, et ça va être un support qui va donner qui plus d'attaque et défense plus 30% pour les alliés type super, jusqu'à qui plus 2 et attaque et défense plus 50% lorsque son deuxième passif proc et là 25% de chance d'esquiver les attaques, donc ce qui est très bon. On va avoir le Tenchuan, voilà, qui va taper plutôt fort, on va pas passer des centaines d'années dessus, il est assez correct au niveau des liens, on va avoir vitesse et pousse tout qui est notable, pourquoi pas le mettre dans la team, quand on met au potentiel max il a 14 000 de défense, c'est pas foufou mais bon, on a beaucoup d'HP quand même, on peut le souligner, et pas mal d'attaques. Donc pourquoi pas compléter une team avec. Après c'est vrai que il est pas fou. Il a une chance sur 5 de stun sur sa première spé et une chance sur 4 sur sa deuxième. On va passer au Cyborg et l'air qui sont très bons. Ils baissent l'attaque et la défense sur leur spé ultime. On va avoir un boost de 15 000 lorsqu'ils partent en spé. Au niveau des liens par contre ça va être vraiment incroyable. On a Cauchemar, Innocent, Peur et Désespoir et Vitesse Poussante qui sont vraiment incroyables. Au niveau des catégories, elles sont au nombre de 2 Cyborg et combinaisons. Donc ça reste une très bonne unité qu'on peut mettre à 100% plutôt facilement. Donc le Goku de la catégorie Saiyan 200 pur sur sa spé ultime il va pousser de 30% les alliés derrière. Au niveau du passif, attaque plus 10 000, défense plus 3 000 si il y en a un ennemi plus. Ça c'est vraiment rené maintenant. Au niveau des liens, c'est pas terrible non plus. On a le premier révélé qui est linkable avec le Bandak par exemple. Super Saiyan Tech, 25% d'attaque, ce qui est très bon. Au niveau du Ginyu, donc on va avoir un passif qui donnera qui plus 2 attaque et défense plus 30% pour les alliés de type extrême jusqu'à 50% s'ils sont de la catégorie commando Ginyu, donc une très bonne unité. Au niveau du Piccolo LR, il va avoir un travail de tanking qui est assez bon. Pourquoi? Parce que au potentiel max, il va avoir 18 100 de défense, il se donne 10 000 à lui-même, plus 5 000 aux alliés. Au niveau de sa spé, il n'y aura rien de spécial, mais il a le premier réveillé comme l'un guerrier vétéran, vitesse époustouflant, qui est vraiment très bon. Il fait toujours son travail de tanking et il esquive toujours. On va avoir les Freezer et l'arc qui est un peu baissé mais qui reste néanmoins très bon. Attaque plus 13 000 et défense plus 5 000 au début de tour. Donc ça c'est pas ouf. Au niveau de son attaque ultime, il va avoir une réduction d'attaque et de défense sur l'adversaire. Ça c'est très bon. Au niveau des liens par contre là c'est pas mal du tout. On va avoir le plus puissant peuple, creuté spatial. Donc ils sont de très bons liens qui sont pas mal répandus entre les différentes formes de Freezer et couleurs. On va avoir transformation, ambition de conquête, peur et d'histoire, boss, pouvoir légendaire. Vraiment que des liens excellents. Et pour finir et clore ce chapitre, on va avoir le Ginyu LR, donc free to play, le gratuit, qui est mort dans le game. PV attaque et défense plus 70% sans ki pour tous les types. Il est sorti trop tard sur la version globale, sur la Jap, quand il est sorti, c'était vraiment un monstre. Ki plus 3, attaque plus 7077 pour les alliés
dans le tour, tout simplement, de type extrême, si je me trompe pas. Ah non, c'est pour tous les allées tout court, ok. Inflige des dégâts titanesques et défense 30% sur l'attaque ultime. Au niveau délai, on va avoir peur et désespoir, éviter ses poussouflants. Et puis après, ça va être délai de commando Ginyu, donc il n'est plus vraiment jouable. Ça gagne la mec commando Ginyu, chargeur de dragon, beaucoup maison. C'était avant que, quand il était sorti la première fois sur la job, c'était avant que les vrais supports interviennent qui donnent 25% de boost aux alliés et de défense. Donc maintenant, il est vraiment mort dans le game. Donc voilà pour ces petites vidéos, les frères, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, comme je vous le dis, à 150 pouces bleus. On fera une deuxième vidéo sur les unités free-to-play dans leur globalité. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à activer les notifications pour savoir quand je suis en live ou quand je suis en vidéo. Et je vous dis à la prochaine, je vous souhaite plein de bonnes invocations. Portez-vous bien, bye bye.